24 juillet 2019, et oui, le lavoir a été nettoyé, on dirait, nettoyé, c'est-à-dire les mauvaises herbes coupées, hein, simplement, il ne fallait pas espérer, par exemple, qu'on retrouve des pierres telles que la présentation de 2012, mais il y a eu aussi... cette partie qui a été sûrement débouchée en haut. Étonnant, non? Comme quoi, une vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Monsieur Hubert avec ses adjoints, ou si c'est les services municipaux ou quelqu'un d'autre. Parce que bah, sur la continuité de cette route, non, ça n'a pas été coupé. Vous voyez, c'est bien heureux à voir celui qui a été présenté dans la vidéo, qui a eu une certaine audience. On peut dire qu'à environ 500 personnes, peut-être que ça permet de faire réagir. Mais je ne sais pas. Si vous savez qui s'est chargé de l'entretien. L'accent que vous avez, vous n'êtes pas manqué quoi. Vous ne serez jamais manqué quoi. Moi oui, et je m'occupe de mon cul, pas celui des voisins. Le lavoir sera entretenu car les vrais habitants du village feront le nécessaire. On va pas parler de restauration ni de remise en forme... tel qu'on appréciait ce lavoir. Mais au moins, il y a eu un entretien. Je peux vous remettre un tout petit peu de la précédente vidéo. Vous voyez comment c'était. Donc comme Monsieur le maire, peut-être, hein, si Monsieur le maire regarde effectivement les vidéos, je vais aussi lui montrer un endroit où l'électricité publique semble nécessiter une intervention. Le même jour, près d'un gîte de France à Montcuq en Quercy-Blanc, l'éclairage public est toujours dans un état qui semble dangereux. Effectivement, j'ai vu en passant que dans ce gîte de France, gîte rural, il y a des enfants. Et lui dire que l'association organisatrice du Salon du Livre 2018 n'a toujours pas récupéré les 8 kakémonos, monsieur le maire, et j'attends toujours vos excuses publiques, et oui, avec une large audience, concernant l'accusation de propos injurieux notés dans le compte-rendu du conseil, enfin, dans le PV du conseil municipal, il faut être exact, d'avril 2019. Comme vous le savez, monsieur le maire, il n'y a jamais eu de propos injurieux chez moi. Et oui, c'est comme ça. Je peux dire les choses telles qu'elles sont. Et il semble, d'après les informations qui me soient parvenues, que madame Zabel m'en voudrait pour avoir, début 2016, vous vous souvenez, je vous avais écrit, vous ne m'avez pas répondu, pour avoir rendu public une réponse en trois mots de madame la préfète du Lot, madame Catherine Ferrier, au sujet d'un conseil municipal de Sainte-Croix dont Madame Zabel était maire. On rappelle que Madame Zabel avait été élue en 2014 avec 49 voix et qu'elle est devenue première adjointe de la commune nouvelle et qu'elle lui est restée malgré le courrier que je vous avais envoyé, monsieur le maire, début 2016, mais vous ne m'avez sur ce courrier pas répondu non plus et je ne l'ai pas vu passer en conseil municipal un courrier où j'expliquais que madame la préfète m'avait répondu à une assertion de ce compte rendu de conseil municipal de Sainte-Croix. On va le noter et ce sera l'occasion d'une autre vidéo, mais là aujourd'hui c'était pour montrer que parfois après les vidéos il se passe des choses à Montcuq en Quercy-Blanc. Le lavoir est nettoyé. Nous ne sommes pas nés ici. Je ne suis pas né ici, dans ce département, mais 900 km plus haut, certes en France et avec une peau dite blanche. Donc oui, ça pourrait être pire dans leur regard, leur attitude, quoique. Certes. 11 juillet 2019. Ce lavoir, mon cul en Quercy-Blanc. Lors d'une réunion publique, monsieur le maire avait affirmé qu'il existait une convention, un accord avec le propriétaire. Et désormais, ce lavoir serait entretenu par la municipalité.
je vais vous montrer une photo de 2012. 18 juin 2019, c'est la fête de la musique à Montkink également. Et oui, les Gilets jaunes sont venus admirer la nouvelle fontaine. Gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poils, les célèbres poils de Montcuq, pour signifier notre mécontentement. Les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est là quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles, surtout. Voilà. Ah, tu as servi qu'une fois. On les a crus. Devine, devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet, ou alors elle va regarder avec nous.